was my sole handler at the agency. She supplied information and secrecy, and I sold perfection. Yes. Terminus Hotel, room 899. So I asked my birds a question, Holmes, and the answer came back in the shape of a name. Blake Dexter. An arms industry VIP who seems to have taken a special interest in your girl. Dexter occupies the Terminus's top floor, and his thugs have the place sealed off tight. Still, a man of your skills and resources should be able to find several access points. Good luck, Holmes. Hey, c'est Squix et bienvenue pour le quatrième épisode de mon Let's Play Hitman Absolution. Alors, dans le précédent épisode, nous avons tué le King of Chinatown et là, dans la cinématique que vous venez de voir, notre indique nous a donc indiqué la chambre 899 de l'hôtel Terminus, cet hôtel-là en question. Vous verrez qu'il y a deux points d'accès pour cet hôtel, au rez-de-chaussée et la cave. Et nous, on va essayer de passer par la cave. Le mec m'a repéré ici. Donc, on va passer par l'autre accès. Ah, il m'a vu. Dommage. Dommage, dommage. Alors l'autre accès se situe ici et ça va être un peu plus compliqué en fait que l'autre puisqu'on va être plus loin de l'ascenseur. Hop, voilà, on passe par les égouts. Tac, 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 tac. Hop, hop. Voilà. Hop, on va prendre la clé anglaise. Si j'arrive à être assez proche. Ok. Hop. Donc le mec est là. On va y aller avec les anglaises. Par ici. Hop. Histoire de le distraire. Voilà. On va ensuite y aller tranquillement. Le temps qu'ils se demandent ce qui peut bien se passer. Ensuite, on arrive ici. Mec qui est super fort, tu m'étonnes. Ok. Ces mecs se sont barrés. Maintenant on va passer par ici.
Alors, où se trouve l'objectif? Il se trouve par là. Ok. Ok, ok. Ok, là il y a notre ami qui regarde. Notre ami vient de se barrer. Parfait. Came from upstairs. There's this VIP guy taking up the entire 8th floor. And he brought a whole gang of shaved gorillas. Real creep jobs. You got the sweet gig down here, man. Hey, you better get used to it, buddy. This could take a while. We could switch if you want. Really? Oh, that'd be great. You're the best, buddy. If there was only some way you could repay me. You want my ringside tickets, don't you? Well, I was gonna ask for a coffee and a Danish, but now that you mention it... Stop yours, Jerry. Connard. Le connard. Alors... Je sais pas ce qu'il cherche là, mais... Ils sont bien chiants, ce mec. Le concierge là, le mec qui revient par là, ah celui-ci qui se barre, on va avoir une fenêtre je pense bientôt. Ouais, je pense qu'on va avoir une fenêtre. Faut juste que celui-ci se barre et ne regarde pas dans ma direction. J'espère que je vais pas rater la fenêtre. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Tac, en sachant que là on attire les gens, c'est normal hein, ça paraît normal. Hop là. Ah, Squeaky Skier. Je me suis pas fait repérer une seule fois, comme vous pouvez le voir. Nice work, 47. You sure are a resourceful son of a bitch. Ooh, you're approaching the lion's den now. Those you encountered are gonna have the 8th floor completely under lockdown. Now Blake Dexter, he enjoys his privacy, and sneaking into 899 is not going to be an easy task. And to make matters worse, Dexter's protected by a seriously nasty bodyguard who will not, I repeat, not take kindly to trespassers. So you should probably look to get off at a lower floor and look for a more subtle entry point. But what am I saying? A pro like you, you probably got the whole thing figured out, don't you? Alright, go get him. Size. We've had elevator problems all day. They're being... Bien sûr que j'ai un plan, vous allez voir. Hop là. Hop, j'allais me tromper. Bonjour monsieur. Donc ce mec là est à côté d'une fenêtre. Une fenêtre qui va être très intéressante en fait. Et du coup il est devant, ce qui fait qu'on ne peut pas la prendre. C'est pour ça qu'on va attirer le mec ici. Tiens regarde, je mets les infos, on parle de toi. Voilà. Le mec ne m'a pas vu, mais bon c'est pas très grave. Hop là. Hop là. Alors mince, là je me suis fait repérer. Dommage. J'ai pas attendu assez de temps, je pense en fait. Hop là. Voilà.
On a atteint le 8e étage. Tant que l'ennemi est en alerte. Merde. Bon, normalement, je n'aurais pas besoin de ce point de contrôle. Vous allez voir pourquoi. Donc, ne l'activons pas. Je ne sais pas si on gagne des points en activant un point de contrôle. Essayons quand même. Non, je ne sais pas. On va activer ce foutu point de contrôle. J'ai pas eu des points, mais bon, c'est pas grave. Histoire de l'activer, quoi, quand même. Alors, cet ours, ça m'a fait. Voilà. La chambre 899 se trouve juste en face, en fait. On va essayer de faire. On va essayer d'éviter les meurtres inutiles. C'est pourquoi on va attirer ce mec là-bas. J'attends juste qu'il se retourne. Puisque j'aimerais encore une fois passer par cette fenêtre. Ah. Voilà. Mais oui. Tu vas rien faire, c'est ça. Allez, on progresse. Ah, c'est dommage que je me sois fait repérer tout à l'heure. Puisque j'ai déjà réussi sans me faire repérer. Là, on va essayer de se hisser, voilà. Parce que ça ne marche que sur le bout de la corniche, en fait. Ici, on va attendre que notre ami se barre. On va même pas le tuer, ça nous permet de gagner des points. Encore une fois. Hop là. Voilà, on va crocheter la porte. Le mec, pendant qu'il regarde. Et voilà. Ah ! Génial. Her name is Victoria. And she's worth a lot of fucking money. Ah, she's some kind of enhanced wonder child or something. L'agence a mis un contrat sur la Victoria, donc. Bien, c'est parfait, spécialiste. 21 000, 7500, j'aurais pu avoir un peu plus que ce spécialiste, c'est professionnel, je crois, juste après. Ouais, il me semble. Donc, je ne me serais pas fait repérer, je pense que je l'aurais eu, en fait. Dommage, ouais, je me suis fait repérer une fois, ça coûte quand même 1500, c'est assez punitif. Mais je suis assez content de ma performance, j'espère que vous aussi. D'ailleurs, c'est la fin de cet épisode, hein. N'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner. N'oubliez pas que YouTube met en avant les vidéos likées, donc plus vous likez, plus la série pourra être vue par un plus grand nombre. Voilà. Infiltré, je regarde ce que j'ai eu... Coup de l'intérieur, homme du Dakota du Sud, radio, tournevis, carte d'accès, bouteille, clé anglaise, ok. Et bien voilà, c'est la fin, donc comme je le disais. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, hein. Je vous en serai complètement reconnaissant, puisque je vous rappelle que j'essaye, hein, depuis pas mal de temps, hein, déjà, voilà, de faire évoluer un peu ma chaîne vers le gaming, et ça fait pas mal de temps que je voulais faire ça. Et donc n'hésitez pas à regarder, à mettre des pouces verts et tout pour changer un peu l'image de la chaîne qui est pour l'instant orientée complètement Minecraft. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Squeaks.